Bébé dans son ventre. Hein? À qui t'a dit ça? Je l'ai vu. Le petit bébé? Mais non, pas le petit bébé. Le ventre de maman. Tu t'es pas aperçu que maman commence à avoir un gros ventre? Non. Oh, on dirait que vous voyez rien, vous, les garçons. Es-tu sûre de ce que tu dis? Quoi, t'es pas content? Oui, je suis content, hein? Oh, youpi, on va avoir un petit frère. Ou une petite sœur. Mais... t'es sûre que maman a un petit bébé dans son ventre? Presque! En plus, j'ai vu Claude faire des dessins de petits bébés. Hey, si on allait lui demander... À qui? Ben, à Claude. Oh, on va le déranger. Non. On va y aller sur la pointe des pieds. Mais si on voit qu'on le dérange, on reviendra. Ah, d'accord, allons-y. Claude, on a quelque chose à te demander. Ben quoi? Pierre, tu l'as dérangé. Mais non, vous ne me dérangez pas du tout. Je termine ce dessin et je suis à vous. J'ai terminé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait savoir si c'est vrai que maman a un petit bébé dans son ventre. C'est votre maman qui vous l'a dit? Non, c'est moi qui m'en suis aperçue toute seule. Moi, je me demande bien qui a pu mettre un bébé dans le ventre de ma mère. Est-ce que c'est le bon Dieu? Mais non, c'est pas le bon Dieu. Mais c'est Dieu qui a voulu que ce soit les papas qui déposent dans le ventre des mamans la semence qui va devenir un petit bébé. Comment il a fait ça, mon papa? Ça doit pas être facile. Justement, ça tombe bien. Je voulais vous expliquer ça aujourd'hui. Venez avec moi. Regardez cette fleur. Ouais. Mais oui, mais pourquoi tu nous montres une fleur? C'est pas une maman, ça. Oui, c'est une maman. Hein? C'est une maman fleur, disons. Quoi? Vous savez, toute naissance commence à peu près de la même façon dans la nature. Hey, savais-tu ça, toi, Pierre, que les fleurs venaient au monde comme les petites filles et les petits garçons? Non, je savais pas ça. Mais écoute et arrête de parler si tu veux comprendre quelque chose. Regarde bien la fleur. Regardez la fleur, là, tous les deux. Vous voyez, au centre de la fleur, dans la fleur, ici au centre, il y a les organes. Les organes. Oui, c'est grâce aux organes que la fleur peut se reproduire. Ah. Et les organes de la fleur s'appellent des étamines. Étamines! C'est comique ce mot-là, hein? Étamines. Et les étamines donnent du pollen. Du pollen. Mm-hmm. Pollen. Est-ce que c'est une sorte de laine, du pollen, Claude? Non, c'est pas une sorte de laine. Attendez un peu, comment je vous dirais bien ça? Bon, pour faire un petit bébé, ça prend un papa et une maman. Oui. Eh bien, le pollen, c'est un peu le papa qui donne la semence chez les fleurs. C'est un drôle de papa. moi, je comprends plus rien, Claude. Mais oui, vous allez comprendre et ça sera pas long. Une abeille maintenant. Pourquoi une abeille? L'abeille est attirée par le parfum de la fleur. Ouais. Elle entre dans la fleur pour cueillir le sucre qui est à l'intérieur. Et en passant pour aller au fond de la fleur, elle frôle les étamines. Mais c'est quoi ça, Claude, les étamines? Ouais. Les étamines sont des petits globes qui renferment du pollen. Vous savez, le pollen, la poudre qu'on appelle pollen. Mm. Et bien, comme je vous disais, en allant au fond de la fleur, elle frôle les étamines et elle colle du pollen à ses pattes et à ses ailes. Après? Après, quand elle a pris tout son sucre, elle repart vers une autre fleur. Ah,
Ah oui. Et puis là, en voulant prendre le sucre de l'autre fleur, elle laisse tomber le pollen qui avait collé à ses ailes puis à ses pattes. Ah, mais elle laisse tomber sur quoi, son pollen? Sur le pistil. Le pistil, c'est la maman fleur. Et puis le papa, est-ce que c'est le pollen ou les étamines? Pour être plus juste, là, je dirais que c'est les deux. Bon. Alors, le papa fleur donne de la poudre à la maman fleur et avec cette poudre spéciale, la maman fleur fait des bébés fleurs. C'est ça? C'est en plein ça, Pierre. Oh. Le bébé fleur, au début, devient une petite graine. Ouais. Une petite graine que la fleur laisse tomber dans la terre. Ah. Ou que l'on dépose, nous, dans la terre. Et cette graine fait une belle fleur qui sort de terre. Est-ce que les animaux viennent au monde de la même façon? Ah, oh, oui, oui. Hey, Claude, dis-nous comment les oiseaux viennent au monde. D'accord. Venez près de mon arbre. Pour les oiseaux, les chiens et tous les animaux, c'est un peu la même chose. Vous savez, ça finit par se ressembler dans la création de Dieu, les manières de donner la vie. Sauf que pour les humains, il y a quelque chose qu'on ne trouve ni chez les fleurs, ni chez les oiseaux, ni chez les animaux. C'est quoi? Je vous dirai tout à l'heure. Oui, mais on ne sait pas encore comment se font les bébés oiseaux. Vous vous souvenez que l'abeille venait se placer sur la fleur pour prendre et déposer son pollen. Ouais. Bon, le papa oiseau se place aussi sur la maman oiseau et dépose sa semence dans la maman. Ah. Comme le pollen de la fleur qui se dépose sur le pistil. Puis les chiens? Les chiens, c'est un peu comme les oiseaux. Attendez un peu. Le papa chien monte sur le dos de la chienne et fait entrer son pénis dans le corps de la maman chien. Il n'a pas besoin d'abeilles, le chien, lui, hein? Mais non, les animaux peuvent se déplacer tout seuls, tandis que les fleurs ne peuvent pas. Dieu a bien fait les choses, vous savez. Comment ils sortent de leur maman, les bébés oiseaux? La maman pond des œufs. Et dans chaque œuf, il y a un petit oiseau, tout petit. Oh. Après, elle les couvre pendant plusieurs jours. Et quand l'oiseau est bien formé, il brise sa coquille et sort de l'œuf. Mais comme ça, quand on mange un œuf, on mange un poussin? Mais non. Il faut qu'il soit fécondé et couvé. Fécondé? Oui. Il faut que le papa ait déposé sa semence dans le corps de la maman oiseau. Mais l'autre jour, là, quand je suis allée chez mon oncle Roland à la campagne, j'en ai vu des poussins. Oh, ils étaient assez beaux! Mais les chiens, ils pondent pas des œufs, hein? Non. Les chiens, c'est comme les humains. Les œufs demeurent dans le ventre de la maman. Et quand les petits bébés sont bien formés, prêts à naître, ils sortent par le vagin. Le vagin?